On va travailler ouais, un morceau qui s'appelle Elvi, qui est un morceau un peu difficile, qu'on n'a pas voulu trop, trop dur à l'écoute, mais qui parle de choses sincères et de choses vraies. On essaye d'imaginer ce que ça peut être la vie de quelqu'un qui vit dans la rue. Petit-elle rêvait de soupirs, de jolies vagues, de chaleur. Petit-elle caressait le sable, certaine d'un ciel protecteur. Maladresse de la vie, son adresse ressemble trop à l'oubli. Elle vit. On vous a pas foutu les poils là? Nous, moi j'ai eu les poils. Hein. Mais il est là en plus, Benoît de Rémus, non? Il est là, Benoît? Ouais, devant lui. Je vais chercher en fait l'auteur, je crois qu'il est là, Benoît. Oui. Je vais le chercher parce que j'ai besoin de voir avec lui. Il nous a fait plusieurs propositions en fait, je crois, sur le refrain, si je me trompe pas. Et voilà, Benoît, viens, viens. Parce qu'en fait, on parle de tout. Il y a trop de phrases. Regardons ça. Ces deux phrases, elles passent pas. D'accord, j'ai compris. Ouais, non, mais il écoute. Ouais. Mais il est en train de bosser. Je suis en train d'essayer de faire rentrer la mélodie de Chimène dans l'histoire qu'elle a envie de raconter. Et c'est une sorte de puzzle entre la mélodie et la musique. Et je suis en train d'essayer de rafistoler ça un peu au dernier moment, c'est vrai. Mais je suis confiant. On est juste en train d'essayer de trouver une couleur de piano pour un titre qui est un titre que Chimène a l'air de beaucoup aimer, mais il s'est trouvé la couleur juste. Comment on termine à chaque fois le refrain. En fait, Chimène et Yves m'ont appelé hier pour demander un petit coup de main, pour avoir une espèce d'oreille extérieure qui débarque sur un titre seul. Ouais, c'est cool pour tout cela. J'ai débarqué avec quelques pistes comme ça que j'ai jetées un peu comme on jette de la peinture sur une toile. C'est une opération commando et amicale, quoi. Donc voilà, c'est que du bonheur. C'est magnifique. Ça va être top. Merci. J'en prie. Ah, je te jure, merci beaucoup. Je suis ravie. Je suis très contente. Épuisée mais contente.